Ça va? Et là? Donnez-moi. Et l'autre? Ça va? Ça va? Les filles, mais poupettes, j'ai vraiment pas envie de fermer mes messages. Je vous lis, je vous réponds et tout. S'il vous plaît, m'envoyez plus ce qui se dit. M'envoyez plus. Moi, quand je vois un message négatif, je bloque. M'envoyez pas les polémiques, m'envoyez pas. Ça y est, j'ai plus envie de polluer mon cerveau avec ça là. Voilà, Alan, il va se faire soigner là. Je suis avec les enfants, j'ai besoin d'être forte. J'ai besoin de. Voilà. J'ai pas besoin de qu'on me dise, un tel a dit ça, il y a ça. Je veux plus rien savoir. Voilà. On fait comme si de rien n'était, comme si on était dans une bulle et on n'était qu'entre nous et on essaie de pas. Voilà, je veux plus rien recevoir. Voilà. Donc, moi, je bloque les messages négatifs d'un côté et vous faites comme si de rien n'était, commentez mes stories comme si de rien n'était jusqu'à ce que ça passe, comme à chaque fois. Je voulais juste rajouter un truc et c'est bon, après on va essayer de passer à autre chose. Aujourd'hui je voulais faire une journée off mais je me suis dit que ça ne servait à rien. Juste un truc, sachez que moi je suis tellement quelqu'un de... je suis tellement fière en fait, que sachez qu'il n'y a personne qui va me faire partir des réseaux. Si un jour il y a quelqu'un qui doit partir des réseaux, ce sera moi, de mon plein gré, en bonne entente, sans polémique, sans rien. C'est-à-dire pas dans un bad buzz. Je partirai jamais dans un bad buzz. Je laisserai jamais une mauvaise image de moi. Je laisserai jamais les gens me salir. Jamais de la vie. Donc si un jour je dois quitter les réseaux, ce sera mon annonce autour d'un petit verre de coca au paradis du fruit, tranquille, comme si de rien n'était. Mais jamais de la vie, il y a quelqu'un qui va me bouger d'ici. Voilà, faut juste savoir ça. C'est que j'y suis accrochée comme jamais. Donc il va falloir du travail, du travail. Là, il travaille depuis longtemps sur mon dossier. Tout le monde, je parle de tout le monde, hein, en essayant de me décrédibiliser, de me faire tomber. À chaque fois, je renais de mes cendres. Donc là, je vais renaître de mes cendres et on verra. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà vécu beaucoup pire comme polémique. Beaucoup, beaucoup pire. Donc, une polémique comme quoi mon mari n'a pas le droit de se faire opérer en France, c'est le dernier de mes soucis, là. Là, mon état psychologique, c'est une accumulation, c'est tout. C'est pas ce qui se passe, c'est tout, en fait. C'est tout. Donc, voilà.